Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau rendez-vous du décryptage sur SICA. Ils sont au total 17, dont 14 anciennes colonies africaines. À accéder à leur indépendance en Afrique subsaharienne entre le 1er janvier et le 31 décembre 1960, après 55 ans d'autonomie politique et économique, ces pays africains se disputent encore la lanterne rouge des classements mondiaux des pays les moins avancés, les moins démocratiques ou encore les plus corrompus. Un triste bilan qui caractérise ce continent, marqué dans les années 60 par des coups d'État militaires, dans les années 90 par le vent du renouveau démocratique et depuis peu par le syndrome des révisions constitutionnelles. Après 55 ans d'indépendance en Afrique subsaharienne, quel bilan politique et économique dans les 17 pays indépendants en 1960? Ce sera notre premier débat du jour. Ensuite, nous parlerons du Burkina Faso où le 16 juillet dernier, le Conseil national de la transition a voté à Ouagadougou la mise en accusation de l'ex-président Blaise Compaoré devant la Haute Cour de justice pour haute trahison et attentat à la Constitution. Une accusation que dénoncent les militants de son parti qui ont saisi le Conseil constitutionnel en vue de l'annulation des poursuites engagées contre l'ancien président burkinabé. Accusation de campagne pour haute trahison au Burkina Faso, son parti, accusation de trahison pour Compaoré pour haute trahison au Burkina Faso, son parti saisit le Conseil constitutionnel pour annulation. Ce sera notre deuxième débat du jour. Mais avant les analyses, Madame, Monsieur, voici le flash d'information. Au Tchad, plus d'une centaine de combattants islamistes et deux soldats tchadiens ont été tués lors d'une vaste offensive lancée contre Boko Haram il y a 15 jours, selon un communiqué de l'armée tchadienne. Cette opération qui se poursuit a lieu sur le lac Tchad, où de nombreux insurgés nigériens de Boko Haram se sont réfugiés ces derniers mois. Les Malgaches aux urnes pour les municipales ce vendredi, un test pour le président malgache contesté depuis des mois et menacé de voir ses adversaires emporter. La mairie de la capitale Antananarivo, quelques 1695 communes sont appelées à élire leurs maires et conseillers municipaux avec des duels ou triangulaires très attendus. En France, des migrants ont de nouveau effectué plusieurs centaines d'intrusions dans la nuit de mercredi à jeudi sur le site du tunnel sous la Manche à Calais. Ils ont tenté de monter sur des navettes Eurotunnel pour rejoindre l'Angleterre selon la police qui a comptabilisé 800 à 1000 clandestins. Ils sont au total 17, dont 14 anciennes colonies françaises à accéder à leur indépendance en Afrique subsaharienne entre le 1er janvier et le 31 décembre 1960. Après 55 ans d'indépendance et d'autonomie financière et économique et politique, que retenir de ces pays sur les plans politiques et économiques? C'est le premier débat que je lance après ce générique. Pour le décryptage de ce jour, je reçois deux invités. D'abord, Maître Luc Martin Roukanri est avocat à la Cour d'appel de Cotonou au Bénin et un passionné de la politique africaine. Maître Luc Martin Roukanri, bonjour. Bonjour. J'ai également sur ce plateau Arimi Choubadé, qui est un journaliste éditorialiste au Bénin. Arimi Choubadé, bonjour. Oui, bonjour Joël. Arimi Choubadé, je reste avec vous pour la première question dans cette émission. Je le disais donc, les pays africains, ils étaient 17 au total à avoir eu leur indépendance en 1960. Après les régimes dictatoriaux, la vague démocratique des années 90, on a assisté, et on assiste du moins depuis quelques années, à une tentative de révision constitutionnelle dans beaucoup de pays africains. À votre avis, quel bilan peut-on faire aujourd'hui des 55 ans d'indépendance sur le continent africain au plan politique? Vous n'imaginez quand même pas que je me permettrai de faire un bilan du drame de l'indépendance ou de la non-indépendance. Je ne sais même pas pourquoi dans votre exposé vous parliez d'autonomie financière. On a eu l'autonomie en 1960. Vous savez très bien. Les Africains ont réclamé et ils l'ont eu. Oui, vous savez très bien que pour 14 de ces pays-là, ils sont encore en colonisation monétaire. Et normalement, je n'ai pas compris pourquoi l'Union africaine n'a pas inscrit dans ce programme la décolonisation monétaire lorsqu'on a fini de régler tous les autres problèmes de l'Afrique. Parce que imaginez quand même que vous voulez faire une intégration avec des pays alors qu'il y a 14 parmi eux qui sont téléguidés de l'extérieur, hein, surtout sur le plan économique. Donc c'est un drame
pour aller à l'intégration. Oui, mais est-ce que c'est cela qui les empêche d'évoluer sur le plan politique? Vous savez, quand vous prenez, vous observez très bien l'Afrique aujourd'hui. Après la période que vous avez parlé, la période de dictature, et à partir de 90, vous pouvez commencer par constater qu'il y a plusieurs sortes d'Afrique aujourd'hui. Il y a les 14 autres qui ne peuvent pas bouger, qui replongent même dans les travers de révision de la Constitution pour la plupart. Et vous avez l'autre Afrique qui, aujourd'hui, est compte pour le monde entier. Un petit exercice, si vous qui avez l'habitude de voyager, quand vous arrivez dans un aéroport et vous voyez des moutons traverser une piste d'aéroport, sachez que vous êtes dans un pays francophone. C'est une manière peut-être caricaturale de parler, mais pour ces pays-là, la perspective, elle est presque négative. Hein, parce que je prends l'exemple souvent du Ghana. Vous savez, quand le Ghana avait cru en ses frères africains, les CFA qui l'entouraient et s'ouvraient, vous avez vu, c'était en ce moment-là que nous avons les choosemakers qu'on voyait dans les rues de Cotonou et tout le reste. Mais depuis qu'ils ont fermé leurs frontières, ça a changé. Oui, mais néanmoins, il y a quelques pays africains et ça veut dire... quand même qui évoluent. Non, nous avons l'exemple du Sénégal, nous avons l'exemple de la Côte d'Ivoire, nous avons l'exemple du Bénin. Ah, vous n'allez pas me parler de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, moi, je ne sais pas. Qui sort d'une guerre, certes, mais oui, je ne sais pas par quelle magie. Je ne sais pas par quelle magie un pays qui sort de guerre, qui n'a même pas encore, ce n'est même pas encore un pays entièrement pacifié, et qu'on nous dit qu'il a une croissance de. Ils ont failli dire 10%, mais bon, ils se sont retenus pour maintenir ça à 9%. Mais moi, ça m'inquiète. C'est quoi la moralité, aller en guerre et puis plus tard vous devenez performant économiquement. Et puis vous savez, pour ces, d'autant plus que c'est la même puissance qui détient tous les leviers économiques, c'est plus facile de faire toutes les manipulations possibles pour montrer que leur interventionnisme en Côte d'Ivoire a débouché sur la prospérité. Ça veut dire que bon, ceux qui n'ont pas encore connu la guerre, il faut qu'ils se dépêchent pour y aller. Le Sénégal est un exemple quand même pour le continent africain. Non, je ne crois pas que le Sénégal ait pu faire... Il y a une stabilité politique, la démocratie roule, il y a l'alternance au pouvoir au Sénégal, pareil au Bénin. Non, vous savez, si c'est l'alternance, faire des élections qui pour vous est une bonne santé économique, moi d'abord je parle... la santé politique d'abord. Je parle même pas de la santé politique, vous savez même au Sénégal, hein, pour contester... La candidature de Wade, il y a eu 17 morts. C'est ça que vous appelez la stabilité politique? Ah ben c'est justement pour contester sa candidature. C'est même la vitalité de la démocratie. Ah bon, vitalité veut dire que... la Constitution, pour contester, sénégalaise avait prévu des pour possibilités contester, de sa modification. Pour contester la troisième candidature de Wade, il y a eu 17 morts au Sénégal. Et vous parlez de vitalité. Et les 17 morts n'ont pas empêché Wade d'être candidat. S'il vous plaît, ils n'ont pas empêché Wade d'être candidat. Donc, si c'est ça le modèle que vous voulez... Donc pour vous, sur le continent africain, si après les 55 ans d'indépendance pour les pays, ces 17 pays, dont 14 vous savez, françaises, anciennes colonies françaises... Vous prenez le Nigeria, le résultat est fiasco. Le Nigeria, qui a connu cette dictature et qui est passé véritablement à l'ère de la démocratie en 99, c'est-à-dire 9 ans après le Bénin, fait aujourd'hui des élections, fait le vote électronique, avec un résultat le lendemain. Et nous qui avons commencé peut-être 25 ans, depuis 25 ans, on a fait une élection, on est à, je crois, 3 semaines maintenant. Ouais. On ne sait même pas quand elles sont là. Les 2 semaines après. On ne sait même pas les résultats. Donc c'est ça les différences d'Afrique. Il y a l'Afrique sous esclavage monétaire, et qui, quand économiquement vous n'êtes pas vous-même, le reste, ça se passe de commentaires. Ça se passe de commentaires. Alors nous allons prendre l'avis de maître Luc Martin-Oukari. Luc Martin-Oukari, vous êtes un passionné, je le disais tantôt, de la politique africaine. Après 55 ans d'indépendance, que peut-on dire sur le plan politique en Afrique? C'est une vérité de la palisse que l'échec est là. Et ça interpelle l'intelligentsia africaine. Moi, je pense franchement que ces pays, nos pays, ne s'étaient pas vraiment préparés au développement. Ils avaient le souci, après la conférence de Bandung, en 1955, de recouvrer leur liberté après avoir aidé une certaine puissance à retrouver la sienne. Oui, après la Deuxième Guerre mondiale. Exact. Et ils veulent aussi aller à l'indépendance. Ils y sont allés, mais le maître avait préparé la situation.
Et à partir de ce moment, ils sont plongés dans une modernité institutionnelle à laquelle ils n'étaient pas du tout préparés. Il n'y a pas eu d'effort de réflexion non plus de la part de l'intelligence africaine pour trouver la voie de développement qui convient à l'Afrique en raison de ses spécificités culturelles. Oui, mais depuis 1960, ça fait 55 ans aujourd'hui, ils ont eu tout le temps de réfléchir. Justement, ils n'ont pas réfléchi. D'abord. Donc, vous voulez dire que depuis 55 ans, les Africains ont passé le temps à faire du nombrilisme? Nous avons passé le temps à singer les autres, à vouloir être comme eux, au lieu d'être nous-mêmes. C'est ça le plus important. Et c'est cette erreur d'appréciation qui nous conduit au chaos que M. Arémi vient de décrire. Et vous voyez, on fait les élections, que ce soit présidentielles, législatives ou autres, dans les autres pays, je veux nommer un peu la France, mais le soir même, vous avez les résultats, ça s'affiche. Il en a parlé tout à l'heure. Et si je prends très rapidement le cas de mon pays, comme au Burundi et ailleurs, comme ça s'est passé, il a parlé tout à l'heure de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si on peut parler de démocratie. L'Afrique n'est pas en démocratie. L'Afrique doit rechercher sa voie, son propre système de développement. C'est en gros ce que je pense. Et je crois que tant qu'on n'aura pas fait ça, eh bien, nous continuerons à nous retrouver dans une situation chaotique, de plus en plus compliquée, ce qui entraîne les guerres, eh bien, les violences, les maladies auxquelles nous assistons. Et oui, mais selon vous, quelle est la bonne voie? Comment faire justement pour remettre cette Afrique aujourd'hui malade sur la voie de la bonne démocratie ou bien du bon développement? D'abord, il faut commencer par prendre conscience de ce que nous nous sommes égarés. Ensuite, il faudrait que l'intelligentsia, je l'interpelle et je nous interpelle, comprennent que nous sommes des Africains et non des Asiatiques, encore moins des Européens, et que nous avons notre mode de pensée, de réflexion, d'analyse. Et c'est ça la culture. Si nous abandonnons cette culture, si nous n'allons pas tirer ce qui est essentiel pour nous là-dedans, et que nous voulons singer les autres tout le temps, eh bien, ça ne marchera pas. Mais vous voyez, toutes ces situations que nous déplorons aujourd'hui, parce qu'il faut déplorer, est manifeste et s'aggrave simplement parce que nos présidents se comportent généralement comme s'ils étaient dans un royaume, dans un empire. Parce que ça, c'est les vestiges culturels, ça. Donc vous pensez qu'il faut faire une démocratie à l'africaine? Il faut aller... leur donner la latitude de se comporter comme des rois. Il faut faire une démocratie africaine consensuelle. L'Afrique n'aime pas les situations conflictuelles. L'Afrique aime le dialogue. Dans notre culture, le dialogue est ce que nous avons toujours utilisé pour régler nos problèmes. Et je crois que nous devons revenir à cela. L'autre chose, lorsque vous voyez depuis la conférence de Berlin, comment est-ce que l'Afrique a été balkanisée, nous n'avons pas pu constituer des nations. On a constitué des États-nations, comme on le dit. Donc, chacun s'accroche à ses intérêts régionaux ou même clanaux et combat l'autre concitoyen. Parce que, tout simplement... Il est d'un autre clan, ou il est d'une autre ethnie. Il faudrait donc essayer de commencer par trouver les mécanismes qui nous permettent de nous parler sans aller à l'affrontement. Alors, après ces conséquences d'indépendance, Maître Luc Matin-Ongari, on assiste également à une montée des mouvements terroristes à relents religieux. Nous avons Acmi et Boko Haram en Afrique de l'Ouest et du Centre. Nous avons l'État islamique en Afrique du Nord ou encore les Chebab dans le sud du continent. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ces groupes sont des précurseurs d'une nouvelle forme de mouvement de revendication d'indépendance? D'indépendance, je dirais non, mais je dirais plus de
de justice et de respect de leur liberté et croyances. Donc cela veut dire que le système a échoué. Totalement. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut repenser l'ensemble des systèmes, que ce soit sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan religieux. Il faut repenser le tout et éviter à l'avenir de laisser nos dirigeants aux affaires pendant des décennies. Moi, j'opterais pour un partage du pouvoir et pour un mandat de 5 ans pour chaque président. Harry Choubalé, votre avis, est-ce que ces groupes terroristes aujourd'hui peuvent être perçus comme des mouvements de revendication pour une meilleure indépendance? Parce qu'il faut reconnaître que ces groupes sont souvent partis des frustrations. Oui, je constate que... Vous n'avez parlé que des groupes... À relents religieux, je veux dire. Oui, mais si c'est justement à relents religieux, vous avez oublié l'ALS, l'Armée de libération du Seigneur, du pasteur Joseph Kony, qui fonde sa théorie sur le Christ et qui dévaste l'Afrique centrale depuis des décennies, que personne n'a cherché à démanteler. Vous prenez du Luganda jusqu'à... On les a même utilisés pour libérer le Soudan du Sud, qu'on pensait être trop catholique, enfin trop christianiste pour être annexé au Soudan islamique. Donc, moi, je ne veux pas rentrer dans ces... Non, en fait, moi, je parle des courants religieux en général. Ce n'est pas des courants religieux, c'est une autre guerre, ce n'est pas notre guerre. La guerre des religions, ce n'est pas une guerre d'Afrique. C'est une autre guerre qu'on est en train de transférer. Il y a des problèmes, il y a des revendications, etc. Mais ça n'a rien à voir avec la religion. Mais c'est pourtant les mouvements de revendication. Non. Prenez Boko Haram, c'est parti quand même de frustration. Non. Chez nous ici, vous savez très bien qu'il y a des évangélistes qui ont refusé qu'on vienne vacciner les enfants. Mais on a essayé d'une manière ou d'une autre de régler ça. Au Bénin ici, c'est pas au Nigeria. Et ça a été exactement la même chose. Au départ de Boko Haram, c'était des histoires de vaccination où... quelques alpha illuminés disaient que c'était du poison, etc., pour stériliser les femmes, etc., et qui a débouché sur une répression terrible, et le résultat est là. Donc la guerre des religions, ce n'est pas, un problème à l'Afrique. On est en train peut-être d'exporter, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a des troubles quelque part, on essaie de voir quelles sont leurs religions. Parce que, justement, aujourd'hui, l'Orient et l'Occident se livrent une guerre de religion. Ce n'est pas notre guerre. Hein, c'est même pas... Tout à l'heure, Maître parlait de la culture africaine, du ressourcement. Ça n'a rien à voir avec ce que les médias charriés, parce qu'il y a un problème au nord du Nigeria. On a essayé de voir, la majorité d'entre eux, ils sont musulmans, donc forcément, c'est un problème. C'est une guerre de religion. Vous pensez que ce n'est pas... Ce n'est pas une confrontation. Mais vous avez même parlé des djihadistes au Mali. Le Mali est déjà combien, à 95% musulmans. Je ne sais pas comment ils peuvent être encore menacés par des intégristes musulmans. Oui, c'est vrai, c'est des théories qui servent aujourd'hui pour déclencher, pour mobiliser les gens au niveau du Conseil de l'ONU. Il faut dire que j'ai un péril islamiste chez moi et on se précipite en même temps pour faire des bombardements. Donc, on parlait justement des indépendances. Et des freins qui ont... Parce qu'aujourd'hui, la responsabilité... Vous demandiez tout à l'heure à Maître, quelle est la solution? Je crois qu'aujourd'hui, nous n'avons pas les armes, enfin les francophones, je veux dire, ils n'ont pas les armes de se libérer. Il ne faut pas qu'on se leurre. Parce que la puissance a pénétré toutes les strates du système et il n'y a pas moyen. Donc c'est de la responsabilité de cette autre Afrique qui marche. Il y a l'Afrique qui marche, c'est de la raison de cette Afrique-là, de contribuer comme nous les avons aidés à sortir de l'apartheid, à aller à l'indépendance. Vous savez que l'Angola n'a retrouvé l'indépendance que dans les années 80, le Mozambique et consorts, les autres se sont mobilisés pour les sortir de là. C'est de leur responsabilité aujourd'hui de nous renvoyer l'ascenseur, parce que c'est vrai qu'il y a eu si vous prenez, je vais vous donner un exemple pour finir, sur la CEDEAO. Lorsque la CEDEAO a commencé par avoir des progrès, qu'est-ce qui s'est passé? On a essayé de rétorcer l'UEMOA, etc., pour justement briser cet élan-là. Parce que le Nigeria, si la CEDEAO devait marcher, c'est son leadership qui allait s'afficher. Et sur le continent, on a commencé déjà par... On a tenté dans un premier temps de l'opposer
une résistance avec la Côte d'Ivoire qui n'a pas marché parce que la puissance du Nigeria était beaucoup trop forte. Mmh. Et puis, allez, on a fait le repli sur le franc CFA, qui est l'UMOA, qui aujourd'hui est un frein, par exemple, à l'intégration au niveau de la CEDEAO. Mmh. Parce que personne ne veut converser avec cette monnaie qui n'appartient pas à des gens qui l'utilisent et dont on ne connaît même pas très bien les fondements. Les contours. Alors, nous avons essayé de prendre l'avis de quelques citoyens, justement, sur le bilan de ce continent africain après 55 ans d'indépendance. Je vous propose de suivre ensemble cet élément. L'Afrique est en marche. Même si dans certaines parties de l'Afrique, il y a des reculons, l'Afrique marche. Sur le plan économique, je dis qu'il y a évolution, même si le montant d'argent qui rentre dans le pays, une bonne partie, c'est à développer l'Europe. Je pleure. Ma tristesse est accompagnée de larmes. Je pleure parce que nous reculons. En notre temps, au moment où on allait à l'école, au collège, quand on revenait des vacances, c'était la joie dans les villages. Il avait à manger. Et les parents, même ceux qui sont un peu lointains, nous apportaient à manger. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Les gens vous regardent et vous observent comme des mendiants. Le système politique que nos pays africains utilisent, ce système-là est à la base de la misère dans nos pays. Les Européens, les Américains, c'est eux qui déstabilisent le continent africain par des guerres, un peu par des conflits, des présidents qui arrivent et qui ne veulent pas partir et qui veulent s'éterniser au trône. Et ou bien ils font le temps qu'ils veulent au cours de leur mort, ils font la relève, et c'est la relève de leurs enfants. Après 55 ans d'indépendance, constater que nous n'avons pas bougé réellement, que la misère continue d'être ambiante, l'environnement économique est aussi délétère, la politique a pris le pas sur le développement. Il faut quand même citer le cas du Rwanda, qui essaie vraiment de sortir la tête de l'eau. J'ai été agréablement surprise lorsque j'ai appris que ce pays était classé 7e du monde sur le plan de la bonne gouvernance, je crois que c'est une excellente chose. Il y a la Côte d'Ivoire aussi, dans la sous-région, qui s'en sort pas mal. Même au Nigeria à côté, on n'a qu'à aller s'inscrire à l'école de ces pays pour voir comment ça se passe. Aucun plan n'est jamais fait pour réellement sortir véritablement l'Afrique de l'ornière qu'elle était. Globalement, l'indépendance africaine a existé pratiquement inutilement, malgré les efforts des uns des autres. Ce n'est pas sa faute. L'enfant qui est né d'un père et dont la mère lui a caché l'origine parentale réelle ne peut que souffrir des affres de ce phénomène. Nous sommes désorientés. L'Afrique est désorientée. L'indépendance africaine est désorientée. Il faut lui rechercher ses bases, son essence réelle. Il faut repartir pour penser africain et vivre africain, pour que notre continent se développe. Voilà, vous avez suivi donc ce micro-trottoir de quelques citoyens africains qui se prononçaient justement sur l'indépendance, le bilan qu'on peut faire de ces 55 ans d'indépendance. Maître Luc Martin Roncari, vous avez suivi cet élément. Alors, ce que nous ne comprenons pas, c'est le paradoxe qu'il y a justement au niveau du bilan économique et des ressources du sous-sol africain. On sait qu'aujourd'hui, beaucoup de pays africains se disputent encore la lanterne rouge des pays les plus pauvres, les plus corrompus, alors que les richesses, la grande partie des richesses du monde entier provient de l'Afrique. Merci, monsieur le journaliste. Mais j'ai dit à l'entame de ce débat que nous devons prendre conscience. Mais conscience de cela aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Même ce matin, sur RFI, si vous entendez, on vous dira que l'Afrique, c'est le continent où la démographie
va galopant. Et que ben, c'est quand même le continent de l'avenir et que c'est parce qu'il y a les progrès de la science, etc. Lorsque nous, intellectuels, nous nous laissons endormir par ces genres d'analyse, nous ne pouvons que continuer à mourir sur nos richesses. Oui, mais c'est la faute à qui si vous vous laissez endormir? Vous mais êtes allé à l'école, justement, vous avez appris les mêmes choses. J'ai dit que ces indépendances ont été minutieusement préparées. On dit souvent chez nous, celui qui te donne un mouton ou qui te le vend et qui tient la corde, ben c'est lui le propriétaire du mouton. C'est ce qui se passe. Regardez très bien ces 17 pays. Parmi les premiers présidents, quelle est réellement la vision des présidents qui ont été élus? À votre introduction, vous avez parlé du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, oui. Mais déjà, à Addis Abeba, c'est des gens qui avaient une vision propre, qui savaient où ils allaient. Et ils n'étaient pas forcément de même avis que Feu Sékou Touré. Mais voilà, la question, elle est là. Nous ne pouvons pas avancer sans vision et de définir un programme de développement. Nkrumah avait dit qu'il fallait une armée pour l'Afrique, qu'il fallait de l'énergie pour l'Afrique, qu'il fallait ci pour ça. Mais on a vite fait de le faire partir, comme tant d'autres. C'est ça, la réalité. Donc, on a mis des personnes qui n'avaient pas de vision et qui ne voyaient que leur ego. Il faut le comprendre aussi parce que peut-être ne pouvaient-ils pas réellement concevoir une vision. C'est ça, la question. Et puis après, ils sont versés dans, je veux dire, l'erreur du pouvoir. Je suis là, je suis le chef, c'est moi qui donne l'ordre. Il n'y a pas de respect des lois. C'est là le vrai problème. Et quand vous parlez de démocratie, je souris un peu parce qu'il n'y a pas de démocratie en Afrique. Il n'y en a pas encore. Qu'est-ce qu'il y a en Afrique? Non, nous avons tenté de dire que nous sommes en démocratie, j'ajoute, à l'occidental. Et nous nous sommes mis à l'apprentissage, peut-être après le discours de Baul, mais nous restons fondamentalement accrochés à l'idée que le chef reste chef jusqu'à sa mort. Il n'est pas chef pour, à un moment donné, ne plus être chef. Oui, mais pourtant, nous avons dans certains c'est pour pays cela. Africains une opposition, mais une société civile aujourd'hui qui bouge beaucoup et qui bouscule les choses. Merci beaucoup. Ce que vous venez de dire, ce matin encore, j'ai suivi sur France Inter. Vous avez vu l'opposant le plus farouche, a-t-on dit. Agathon Rwasa au Burundi, vous voulez dire. A été élu vice-président de l'Assemblée nationale. Il l'a justifié, il faut être à l'intérieur pour combattre le régime. De toutes les façons, ça a été toujours des raisons comme ça, des motifs comme ça, que nos politiciens ont toujours utilisé pour se tailler des avantages personnels sur le dos du peuple et en connivence avec ceux qui tiennent le cordon de la bourse. C'est ça la réalité. C'est pour ça qu'il faut, je reviens sur mon idée, il faut concevoir un système qui est le nôtre, tout en respectant les principes démocratiques. Mais si nous sommes vraiment à l'apprentissage, nous devons apprendre à partager le pouvoir en raison même de notre configuration socio-politique et anthropologique et limiter le pouvoir. Ensuite, le partager et faire en sorte que nos présidents ne fassent plus d'un mandat. Parce que les débats qu'il y a aujourd'hui, on dit j'ai fait un mandat, je vais faire un deuxième, c'est en mangeant que l'appétit vient, et j'ai on veut faire un troisième voire et etc. Un quatrième. Et plus vous laissez le pouvoir s'installer, il est tout puissant, il a le temps de s'enraciner, et puis vous ne pouvez plus le déraciner. Vous ne pouvez plus. Ça devient difficile et c'est ça, c'est le boomerang qui entraîne tout ce que nous voyons là. Rémi Choubadé, alors le contraste entre les ressources du sous-sol et le développement économique du continent africain.
Non, ce n'est pas lié à la richesse du sous-sol. Pour atteindre le sous-sol, il faut avoir un certain degré de technologie. Pourquoi les Africains ne vont pas chercher cette technologie? Non, mais je continue de dire qu'il ne faut pas mettre l'Afrique dans un même panier. Il y a une Afrique qui marche. Qui va chercher quand même la technologie. Mais pourquoi ceux qui sont à la traîne ne peuvent pas aller chercher? Ceux qui sont à la traîne, c'est ceux qui sont téléguidés de l'extérieur, qui ont tout. Vous savez, vous prenez notre administration. Et depuis 55 ans qu'ils sont téléguidés, ils n'ont pas conscience. Mais c'est ça que je vous dis. L'Afrique du Sud n'avait pas été capable de se libérer toute seule de l'apartheid. Nous y avons contribué tous. Donc vous voulez que ceux qui aujourd'hui sont en fait, viennent en aide à ceux. C'est de la responsabilité. J'ai dit par exemple que je n'ai pas compris pourquoi jusqu'à aujourd'hui l'Union africaine qui envisage, qui ambitionne d'avoir sa monnaie, qui ambitionne d'avoir de l'intégration, il y a je vois la présidente de la commission qui essaie de mettre en place un nouveau programme, Agenda 2063, etc. Pour les 50 prochaines années à venir. Mais s'il subsiste dans cette Afrique, là, 14 marionnettes, et je vois mal comment on peut aboutir à ces résultats-là. L'Union africaine elle-même, il faut dire qu'elle vit de la subvention. Non, pas tout le monde. Vous avez vu, il y a des Africains aujourd'hui qui ont décidé de créer, si vous voulez, le nouveau monde avec les BRICS. Vous avez vu l'Afrique du Sud arrimer à d'autres puissances émergentes pour créer un nouvel ordre. Ce n'est pas une nouvelle forme de colonisation économique. Non, et le Nigeria, à côté ici, a été déclaré, je crois... Première puissance du continent africain. Écoutez, alors nous on est à côté, je ne sais même pas dans quelle proportion on peut mettre l'économie béninoise. Ça peut vous dire qu'aujourd'hui, il y a un problème africain, mais pas un problème global de l'Afrique. Il y a cette Afrique qui essaye de vous prenez un pays comme le Ghana à côté, et qui ne peut pas, on ne peut pas faire la même analyse qu'on peut faire pour le Bénin, on ne peut pas transposer ça sur le Ghana. Donc, je ne me retrouve pas. Et quand vous prenez la côte Est aujourd'hui, il y a des avancées d'intégration dans cette région-là, malgré le défi naturel, c'est-à-dire les problèmes de langue, de géographie, etc., ils sont quand même en train d'arriver à une certaine intégration aujourd'hui. Vous prenez la SADC, ce n'est pas ce que nous faisons ici au niveau de la CEDEAO, alors qu'il y a encore quelques années, nous avons une certaine longueur d'avance sur tous ces pays-là. Alors, Arémi Choubaré, l'Afrique est également caractérisée par de nombreux cas de violation de droits humains. Le débat de l'heure sur le continent est celui du jugement des chefs d'État, des anciens chefs d'État ou encore des chefs d'État en exercice. Nous avons la situation des présidents Hissène Habré et d'Addis Camara qui sont face à des tribunaux africains ou encore les cas Gbagbo et El Béchir poursuivis par la CPI. Alors, quelle lecture peut-on faire de ces événements qui caractérisent aujourd'hui la justice sur le continent africain? Toujours l'Afrique à plusieurs vitesses. Dans la famille des présidents non poursuivis, il n'y a que Omar El Béchir, et vous avez vu, lui, il est encore dans son pays presque tranquille, si vous voulez, et continue d'assumer ses fonctions de chef d'État. Mais les autres dont vous parlez, vous connaissez leur trajectoire. Ils ont quitté le pouvoir aujourd'hui, qu'on arrive à les rattraper. Vous connaissez leur trajectoire par rapport à la justice. Ici, l'Afrique arrivait à s'autonomiser, on n'aurait plus. C'est le prétexte. Il ne faut pas donner le prétexte aux autres de venir jouer au tuteur chez nous. Alors, si nous continuons, parce que c'est ça le prétexte de ceux qui sont dans la famille, mais qui sont vendus à l'extérieur, si vous voulez, c'est une manière de parler, mais qui ne peut pas s'assumer. Si vous n'arrivez pas à s'assumer, les gens viendront faire la loi chez vous. C'est tout simplement dramatique de voir aujourd'hui qu'on nous dise, quand vous avez vu comment on a dégagé un chef d'État en exercice, quand vous parlez de violation des droits de l'homme. On a vu Guantanamo, ce n'est pas en Afrique. Mais personne n'est allé dire, personne n'a dit, je viens aux États-Unis pour juger ceux qui torturent des gens, qui ont enfermé des gens sans jugement, qui ont déporté des gens de leur pays vers un territoire étranger pour les traiter de cette manière-là. Vous avez suivi, je crois, la commission de l'Union européenne, la commission des droits de l'homme à l'Union européenne a condamné plusieurs fois la France pour son traitement vis-à-vis des migrants, de certains groupes minoritaires, etc. Et c'est des problèmes qui existent partout. Mais quand ça vient chez nous, on le met en épingle, ça sert de prétexte pour venir faire de l'interventionnisme, parce que tout simplement, nous sommes fragilisés par notre posture
de pays assistés, de pays commandeurs. De pays, vous savez, le ventre mou de l'Afrique, c'est toujours ça. Si nous n'arrivons pas à régler le problème du ventre mou de l'Afrique, qui est constitué par ces 14 esclaves monétaires du continent, on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer. Tout à fait. Maître Luc Maté-Houkari, c'est votre avis ? La justice aujourd'hui dépend des autres puissances. Je n'ai pas pu comprendre que des chefs d'État africains aillent signer des conventions de cette nature-là pour se faire juger par des juridictions totalement étrangères à l'Afrique. Ma ligne d'analyse reste la même. C'est-à-dire que on ne peut pas se séparer de nos valeurs. Les questions africaines, on dit le linge sale se lave en famille. Quelle que soit la situation, nous trouvons les mécanismes nécessaires pour régler nos problèmes entre nous. Oui, mais tel que c'est ça simplement se lave parce que. Ce linge-là, le linge de Hissène Habré se lave, tel que le linge d'Addis Camara se lave. Est-ce que vous pensez justement que ceux-là. Ma ligne d'analyse dit simplement pourquoi avoir laissé Hissène Habré faire autant de temps lorsque son successeur, qui est soupçonné d'avoir participé, mais la preuve n'est pas encore établie, ne sera pas là. Vous verrez que, ben mon Dieu, on dira, mais voilà, lui aussi, il faut le poursuivre. Tout dépendra de comment il quittera là. Vous allez dans des pays où les gens sont là pour 30 ans, 20 ans, 25 ans, 15 ans. C'est tout à fait normal qu'ils commettent des abus, parce que on dit que, quand on a le pouvoir, on abuse du pouvoir et que le pouvoir corrompt, et plus il est important, plus il vous corrompt. Donc, vous ne pouvez pas continuer à laisser, on ne peut pas continuer à admettre que nos chefs d'État passent autant de temps au pouvoir et surtout à leur conférer le pouvoir et l'entier pouvoir, qu'ils décident de tout, c'est-à-dire qu'on transpose l'empire ou le royaume dans la République. Et la République, c'est quand même les citoyens qui font la République. Et ils ont des droits. Donc, nous ne sommes pas en démocratie parce que je ne vois pas vraiment des velléités de démocrates dans le comportement de nos responsables politiques au plus haut niveau. Parce que ils n'accordent pas aux citoyens les libertés publiques, le minimum de droits qu'il faut pour leur permettre de participer à la construction de la chose publique. Merci, Maître Luc Martin-Houkari. Merci, Yarimi Choubalé. Madame, Monsieur, ce sera tout pour le premier débat de ce jour. Cette émission se poursuit. Voici à présent un nouveau point de l'actualité. C'est le flash d'information. Au Tchad, plus d'une centaine de combattants islamistes et deux soldats tchadiens ont été tués lors d'une vaste offensive lancée contre Boko Haram il y a 15 jours, selon un communiqué de l'armée tchadienne. Cette opération qui se poursuit a lieu sur le lac Tchad, où de nombreux insurgés nigériens de Boko Haram se sont réfugiés ces derniers mois. Les Malgaches aux urnes pour les municipales ce vendredi, un test pour le président malgache contesté depuis des mois et menacé de voir ses adversaires emporter. La mairie de la capitale Antananarivo, quelques 1695 communes sont appelées à élire leurs maires et conseillers municipaux avec des duels ou triangulaires très attendus. En France, des migrants ont de nouveau effectué plusieurs centaines d'intrusions dans la nuit de mercredi à jeudi sur le site du tunnel sous la Manche à Calais. Ils ont tenté de monter sur des navettes Eurotunnel pour rejoindre l'Angleterre, selon la police, qui a comptabilisé 800 à 1000 clandestins. Au Burkina Faso, le Conseil national de la transition a voté, c'était le 16 juillet dernier, à Ouagadougou, la mise en accusation de l'ex-président Blaise Compaoré devant la Haute Cour de justice pour haute trahison et attentat à la Constitution, une accusation que dénoncent les militants de son parti. Ces militants ont saisi le Conseil constitutionnel en vue de l'annulation des poursuites engagées contre l'ancien président burkinabé. Une situation aujourd'hui donc qui fait polémique au pays des hommes intègres. Le débat se poursuit avec Maître Luc Martin-Houkari. Maître Luc Martin-Houkari, aujourd'hui Blaise Compaoré, qui se retrouve au banc des accusés. Ces militants disent qu'on n'a pas le droit de le poursuivre pour les faits que j'ai cités précédemment. Alors, à votre avis, est-ce que cette accusation a une chance d'aboutir, puisque la constitution burkinabé elle-même prévoit les mécanismes de sa modification, et c'est ce que Blaise Compaoré a utilisé?
nous sommes là vraiment pas sur le terrain du droit. Le droit n'est qu'un vernis que l'on met. On est essentiellement sur le terrain de la politique. On veut, de mon point de vue, tenter peut-être de neutraliser l'ancien président burkinabé. Comme ça, à l'intérieur, on pourra calmer les ardeurs pour le continuer à le soutenir. Je pense que le mal est déjà fait. Il faut tenter de trouver des consensus pour que l'Union, pour rassembler les Burkinabés, mais... pour qu'ils n'aillent pas à des situations vraiment regrettables. Et cela se pointe à l'horizon. Une transition ne peut pas venir régler ces problèmes. Il vaut mieux qu'ils aillent, de mon point de vue, d'abord aux élections, et le pouvoir qui suivra ne sera en réalité qu'un pouvoir de transition. Lui non plus ne fera pas grand-chose parce que la guéguerre va continuer. Donc je pense que l'essentiel, que ce soit au Burkina ou ailleurs, vous voyez ce qui se passe au Tchad, depuis 90, c'est maintenant qu'on est en train de juger Hissène Habré, et vous voyez ce que ça donne. Ça coûte excessivement cher et on ne peut pas continuer comme ça. Il faut éviter de donner des mandats prolongés à nos chefs d'État et que oui, mais il y ait... Blaise Compaoré, personne ne lui a donné ce mandat. Il est venu par un coup d'État, il est resté, il a organisé les élections, il a organisé la démocratie comme il l'entend. Bien sûr. Personne ne lui a donné le pouvoir. Mon ami d'en face a dit l'essentiel. Nous savons comment est-ce que ces élections... J'ai dit, nous ne sommes pas en démocratie. Donc, on sait comment est-ce que ces élections s'organisent et comment est-ce que ces présidents se pérennisent au pouvoir. La faute est à qui? La faute est à qui, dites-nous? Mais à l'intelligentsia, qui conspire contre la majorité du peuple. C'est ça, la vérité. Et je dis, cette intelligentsia a la responsabilité de repenser la question de la démocratie et du pouvoir en Afrique. Je ne renie pas la démocratie, ce n'est pas possible, c'est un système universel. Mais nous devons y repenser pour ne pas avoir après à faire face à des situations à ce genre de travers. Voilà. Arémi Choubaré, on a l'impression que le Conseil constitutionnel, le Conseil national de la transition n'a pas tiré le son du revers issu du rejet du vote du nouveau code électoral au Burkina Faso. Aujourd'hui, ce Conseil national de la transition se met sur un nouveau terrain, celui de l'accusation de Blaise Compaoré. Ce que contestent déjà les militants de Blaise Compaoré. Est-ce que vous croyez à une issue positive de cette accusation? Bon, enfin, un Conseil national de la transition qui est au passage dirigé par un de nos confrères, Chérif Si, je crois. Oui, qui est un ancien journaliste. Il demeure journaliste pour nous. C'est sûr qu'après la transition, on va se revoir. Il va revenir encore à son écritoire. Oui, mais on sent quand même qu'il y a, il y a certains qui essaient d'instrumentaliser la transition. Parce qu'on va à des élections, il faut faire du l'anti-comparé pour essayer de s'attirer la sympathie de la jeunesse. Oui. Donc, je crois que la transition n'est pas la suspension de la justice. On ferait mieux de laisser vraiment la justice. Parce que c'est important qu'on ait ces genres de procès. Moi, je suis favorable qu'on ait un procès comparé. Mais pas en escamotant les États pour peut-être revenir à un schéma à la Hissène Habré. On commencera pas à traîner. Parce que ce qui est sûr, si on devait faire un procès comparé, il y aura beaucoup qui sont encore en place dans la transition. Qui seront rattrapés. Tout à fait, qui pourront se reprocher. Quand même, alors, donc, Compaoré a fait 27 ans de pouvoir. Tout à fait. Il faut faire ce procès, le procès du système. Mais il faut y aller vraiment dans les règles de l'art et ne pas prêter flanc à ces manipulations politiques qui, de toutes les façons, font le jeu de Compaoré. Oui, mais tel que ça se passe, est-ce que cela ne donne pas l'impression de victimiser plutôt Blaise Compaoré, de chercher justement... Oui, tout à fait. Ça fait le jeu de Blaise Compaoré, parce que dès l'instant où on commence par observer des vices dans la procédure, ça ne profite qu'à l'accusé. Et ces défenseurs auront bon droit de la vue. CDP est déjà campé en position de victime. Et forcément, la campagne risque de se... On va dans une compétition électorale bientôt.
forcément la campagne va se cristalliser sur vous êtes pour ou anti-comparé. Mm-hmm. Et de cette manière-là, on aurait. Parce que normalement. On va perdre de vue l'essentiel. Tout à fait, normalement, comparé, ça fait partie du passé. Mm-hmm. Le Burkina devait se retrouver face à ces vrais problèmes, ces vrais défis, et proposer des solutions par rapport à ça, plutôt que de poursuivre un fantôme qui ne devrait plus exister. Il faut qu'il y ait ce procès comparé, mm-hmm. parce qu'il a fait des choses. Après, on lui reporte des choses, on reporte des choses à son système. Mm-hmm. Il faudrait que le procès du système ait lieu dans les règles de l'art. Pour que bon, les gens ne trouvent pas le prétexte pour venir après nous dire ben, vous n'avez pas jugé un dictateur, nous, on se permet le droit de le réclamer. Merci, Arimi Choubalé, merci, Maître Luc Martin-Rungari, Madame, Monsieur, ce sera tout pour le débat de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme. Cette chaîne de télévision qui vous présente le vrai visage de l'actualité sur le continent africain. Cette émission se poursuit. Voici à présent les informations économiques du jour en Afrique et dans le monde entier. C'est le journal de l'économie.